Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et je vous remercie de m'accueillir ici pour évoquer le titre de la conférence qui est La physique quantique est-elle un nouveau langage pour l'alchimie? Alors pourquoi je parle de ça? Je ne suis ni professeur en université ni chercheur dans le CNRS. Mais d'une part, l'alchimie m'intéresse depuis de très longues années et d'autre part, la physique quantique aujourd'hui concerne. Dessine le monde. Donc, je remercie également Rémi pour m'avoir invité. Pourquoi est-ce que je peux parler de ça? Eh bien, je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer dans ma vie. Et je vous invite ce soir, si vous le voulez bien, pendant 1 heure et quart, c'est ça? Pendant 1 heure et quart, d'essayer de rentrer dans une façon de voir le monde qui est une façon de voir le monde hermétique. Au sens des philosophes de la Renaissance, la façon de voir le monde qu'avaient les alchimistes, et en y intégrant les grands paradigmes les plus connus de la physique quantique. Donc j'aurai un développement ce soir à peu près en 3 mouvements, 2, 3 rappels sur les grandes découvertes vulgarisées de la physique quantique, quelques aspects importants de ce qu'est l'alchimie, de ce que n'est pas l'alchimie. Et ensuite, on pourra se poser la question, est-ce que c'est un nouveau langage pour l'alchimie, oui ou non? Et puis quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que c'est également quelque chose qui partage vos esprits, est-ce que ça a du sens aujourd'hui de s'intéresser à l'alchimie, à ce qu'elle véhicule ou à ce qu'elle promeut? Alors, pour les grands paradigmes de la physique quantique, vous savez que ça fait à peu près pratiquement un siècle, plus d'un siècle maintenant que nous vivons. Avec des preuves, des expériences, une réalité de ce qu'avaient pensé les fondateurs, les pères de la physique quantique. Je ne vais pas faire un exposé large sur toutes ces expériences, je pense que vous les avez connues, mais pour en tirer 2 ou 3 éléments que nous garderons à l'esprit et pour l'intégrer dans la façon de voir le monde qu'avaient les alchimistes. Une des façons de voir, parce qu'ils en ont plusieurs. Alors la première et la plus connue, je ne vais pas m'attarder. Ça a été le moment où on s'est posé la question, est-ce que la matière est plutôt onde ou est-ce que la matière est plutôt particule? Eh bien, retenons aujourd'hui, enfin pour ce soir au moins, que la matière nous apparaît comme étant une onde, et de nombreuses expériences ont été faites là-dessus, les fonds de Hume ou d'autres, et la matière nous apparaît comme particule. Mais en plus, il y a un aspect quantique. C'est-à-dire, lorsqu'elle apparaît comme particule, elle n'apparaît pas dans un état quelconque. Il y a un certain nombre d'états qui sont permis, d'après les résolutions des équations quantiques, et la matière apparaît, si on l'observe comme une particule, sous forme d'une particule dans un certain état quantique. Et si on l'observe autrement, on la voit sous forme d'onde. En faisant des expériences de diffraction, on se constate qu'elle fonctionne comme une onde. Alors longtemps, on a pensé que la matière, c'est soit une onde, soit une particule. De temps en temps, elle disparaît, et la particule disparaît, elle devient onde, et l'onde disparaît, elle devient particule. En plus, on avait des équations de conservation de l'énergie. Aujourd'hui, et pour être intellectuellement et scientifiquement correct, ça n'est ni onde, ni particule, ni les deux. Mais elle nous apparaît comme ça. Mais elle pourrait très bien être autre chose. Mais retenons ce principe. Qu'est-ce qui est derrière ce principe, notamment avec les fonds de Hume? C'est qu'on a même constaté qu'une particule pouvait se comporter comme si c'était une onde. C'est là où le doute est apparu. L'autre qui est. Donc là, qu'est-ce qui se passe, surtout avec l'expérience des fonds de Hume? C'est qu'en fait, les particules qui apparaissent sur le capteur se comportent comme si elles savaient ce qui se passait, ce qui allait se passer. Des expériences plus poussées ont été faites. Et on s'est même rendu compte que les particules savaient éventuellement, après que l'expérience a été faite, ce qu'on déciderait après l'expérience, comme s'il y avait une forme de rétroaction. Disons que est apparu, en plus avec le théorème d'indétermination, une forme de non-localisation. En fait, on ne sait pas vraiment où est la particule. On ne sait pas vraiment où est l'onde, on ne sait pas vraiment où est sa vitesse, quelle est sa vitesse, à quel moment.
Et aujourd'hui, on pourrait tenter de dire, forcément, on ne sait pas quelle est sa vitesse ni son emplacement particulier, puisqu'elle est nulle part. Elle est nulle part et elle a une probabilité d'apparaître si on l'observe quelque part. Donc cette notion de non-localisation possible si on observe la matière comme une particule. L'autre est la plus récente et une des plus grandes, je ne parle pas du... C'est, enfin, la plus récente, elle a quelques années maintenant, c'est l'expérience d'Alain Aspect, lorsqu'il a fait l'expérience en prenant une particule, une émission de particules intriquées, en les faisant partir dans deux directions opposées, en impliquant un changement d'état à l'une des particules et en observant instantanément ce qui se passe chez l'autre. Et donc, il a démontré quelque chose qui était attendu par la physique quantique, mais qui avait été démontré par ses expériences, c'est qu'une information passe instantanément. C'est-à-dire que la particule qui est ici, on lui impose un changement de spin, enfin, on lui impose un changement de son état quantique, et instantanément, la particule intriquée qui en était issue de l'autre côté, eh bien, changeait de spin, enfin, avait un changement de comportement. Alors que la relativité générale et les équations en général interdisaient qu'il y ait une information qui soit transférée à une vitesse supérieure à la grandeur, à la vitesse de la lumière. Alors, est-ce que c'est gênant? On pourrait se dire, bon, ben, c'est pas gênant, l'information passe directement. Mais si on est dans le monde de la physique quantique, ça devient gênant, puisque l'espace et le temps sont liés par la constante d'Einstein, et rien ne dépasse la vitesse de la lumière, au moins quand il y a de l'énergie. Aucune énergie, aucune particule, aucun rayon ne dépasse théoriquement la limite de la vitesse de la lumière. Alors comment peut-il se faire qu'une information soit passée? Les distances étaient suffisamment grandes et les précisions de mesure pour pouvoir dire non, il y a transfert instantané d'une information. Et qu'est-ce qu'il en a découlé comme constatation? Eh bien, ce qu'on prenait pour deux particules ne l'était pas forcément. Et est apparue cette notion de non-séparativité. Et pourquoi est-ce que c'était si dur à comprendre? C'est parce qu'on avait malgré tout toujours pas abandonné la représentation de l'atome de Bohr, où on imaginait l'atome comme un petit système solaire avec un noyau et des électrons, avec un noyau avec des protons, des neutrons, et puis des électrons qui s'amusent à tourner autour. Mais en fait, la physique quantique a montré que non, c'est pas ça. Ça peut représenter une des solutions des équations de Schrödinger, mais ça n'est, en réalité, ça n'est pas ça. Et même si on le modélise comme ça, c'est du vide. C'est du vide, c'est que du vide. Même si on essaye de regarder à quoi correspondrait le diamètre d'un électron, le diamètre du noyau, et les distances faramineuses ramenées à l'échelle entre le noyau et l'électron, c'est que du vide. La matière, c'est que du vide. Alors quelqu'un qui écoute ça pourrait dire, mais dans ce cas, si c'est que du vide, pourquoi on ne passe pas à travers? Alors il y a bien sûr d'autres équations que je ne maîtrise pas, mais il y en a une qui est intéressante, c'est le principe d'exclusion de Pauli, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli avait travaillé les équations, et il s'est rendu compte que pour un certain type de particules dans un même système, il ne pouvait pas y avoir deux particules qui avaient les mêmes nombres d'ondes. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, en gros, en disant que c'est un spin, une vitesse, une charge, enfin. Toujours est-il que le principe d'exclusion de Wolfgang Pauli, eh bien, dit que dans un système, on ne peut pas avoir deux particules qui ont le même état quantique. Alors vous me direz, mais comment ça se fait qu'une particule sache qu'il y a déjà une autre particule qui a le même état quantique ? C'est quelque chose qui est étonnant, mais qui explique un certain nombre de phénomènes, notamment astrophysique, plutôt que la physique quantique. Il a également inventé le neutrino, au passage. Proposé le neutrino, qui a été observé plus tard. Mais c'est ce qui explique, à un moment donné, pourquoi, lorsqu'on a l'effondrement de la masse, de la matière qui s'effondre sur elle-même, et qu'on observe les étoiles à neutrons, à un moment donné, les étoiles à neutrons ont une certaine stabilité. Et cette stabilité, pourquoi elle ne s'effondre pas plus à ce moment-là? Eh bien, c'est le principe d'exclusion de Pauli, qui dit que ben, dans cet ensemble que forment les neutrons, eh bien, si on pousse un peu plus, on en aurait deux qui seraient dans le même état.
Et le principe d'exclusion par lui interdit ça. Et puis à un moment donné, bon, il y a autre chose qui se passe. Finalement, la force d'attraction l'emporte sur le principe d'exclusion par lui, qui est un principe qui est pas... Et puis l'étoile s'effondre et on s'en va vers un trou noir. Et après, on ne sait plus ce qui se passe, dans la théorie. Et sans doute dans la pratique non plus. Donc nous vivons aujourd'hui avec des représentations et puis des observations de la matière qui échappent normalement à notre entendement. Le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'est la matière, le fait qu'elle ne soit pas forcément séparée, le fait que l'espace et le temps sont contenus ou qui sont liés entre eux, et cette fameuse question du Big Bang. Est-ce qu'il y avait quelque chose au-delà du temps de Planck ? Alors aujourd'hui, on sait que c'est une théorie. C'est-à-dire la théorie décrit ce qu'on observe, ou inversement, on observe ce que la théorie décrit, malheureusement, souvent. Mais au-delà du temps de Planck, il existe sans doute une réalité, mais qui aujourd'hui échappe au modèle. Derrière tout ça, et j'en arrêterai pour cette première partie de l'introduction, puisque l'idée, ce n'est pas de faire un cours de physique quantique, j'en ai pas les moyens, mais c'est de retenir les deux choses suivantes. Dans ce monde de la physique quantique, les équations quantiques, qui sont finalement des probabilités, et puis des Laplaciens, enfin des trucs très compliqués, on se dit la matière n'est pas forcément séparée, ou en dessous de la matière, il y a un plan dans lequel l'espace et le temps ne jouent pas, et on ne sait pas vraiment ce qu'est la matière. On peut la modéliser, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc retenons cet aspect. Et passons à un aspect qui est intéressant, qui est un peu abandonné aujourd'hui, et je pense que Pauli s'y était intéressé, et un autre physicien qui s'appelait David Bohm. Ils avaient envisagé quelque chose qui est comme un plan, un champ, qui est en dessous du champ apparent. C'est-à-dire qu'il y a un champ apparent qui est régi par des lois, des lois de mécanique classique, de relativité classique, de relativité restreinte, de relativité générale, de la physique quantique. Mais en dessous, il y aurait un plan qui n'est pas concerné par l'espace et le temps, où tout est un, et l'information complète de l'univers est dans ce champ. Et cette information est dans ce champ, et elle peut, de temps en temps, passer dans une particule. Et c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle apparaît. Et la particule a un comportement particulier. Donc, par contre, ce ne sont pas forcément des équations ou des systèmes qui sont développés aujourd'hui. Mais ça a existé, il y a eu des discussions. Et ce qui est très intéressant, c'est que Wolfgang Pauli a échangé très longtemps avec le psychanalyste, le psychologue Carl Gustav Jung, à propos de ces choses-là. C'est-à-dire que le Wolfgang Pauli, qui d'ailleurs était, je crois qu'il était même un patient de Jung ou d'une de ses élèves, et Jung avait trouvé ce garçon très intéressant, parce que déjà il avait un comportement un peu bizarre, mais surtout il avait des rêves très étranges. Il avait des rêves très étranges qui faisaient penser Carl Gustav Jung à des archétypes, alors que c'était un physicien quantique. C'est devenu un très grand physicien quantique. Hein. C'est un des pères. Et Pauli, comme Böhm, chacun à sa façon, essayait de modéliser, d'aller plus avant avec ce champ. Ce champ qui est en dessous ou avant le champ manifesté. Et Jung faisait un petit peu la même approche dans un domaine complètement différent. Il se demandait qu'est-ce qu'il y a à la racine de l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de l'âme. Et l'idée, bien sûr, dans leurs échanges, c'était quoi? C'était est-ce que... Enfin, c'était, je ne sais pas si c'est ça, mais on pourrait l'imaginer. Est-ce que ce qui est à la racine, ou justement avant la racine de la manifestation du monde manifesté, est-ce que cette racine est la même que ce qui serait à la racine de ce qui est dans les profondeurs de la psyché? On ne sait pas, mais on a le droit d'y réfléchir. On ne sait pas, on a le droit d'y réfléchir. Venons-en à l'alchimie. Alors, qu'est-ce que l'alchimie et qu'est-ce que ça n'est pas, m'avait demandé Rémi tout à l'heure. Eh bien, je ne suis pas un historien de la pensée alchimique, et je ne suis pas une réincarnation d'alchimiste, et je ne suis pas un spécialiste. Par contre, l'alchimie m'intéresse pour différentes raisons. Et j'en parle, et ce dont je dirais ne parle que de moi. Ce ne sont pas des vérités.
L'alchimie, traditionnellement, on pourrait dire que y a plusieurs bases, mais disons, quel est le but de l'alchimie? Ben, le but de l'alchimie, diront les alchimistes, ben, c'est de faire la pierre philosophale. Et qu'est-ce que la pierre philosophale? La pierre philosophale, on ne sait pas trop, ou enfin, certains alchimistes le savent, mais en tout cas, on sait les attributs ou les effets de cette pierre philosophale. L'une, c'est la poudre de projection, c'est-à-dire de transformer les métaux vils en or. Et l'autre, c'est l'élixir de longue vie, le remède universel pour guérir de toutes les maladies. Et puis, il y en a d'autres. La pierre de sagesse qui donne accès à la sagesse. Et puis, si vous lisez des traités, il y a quantité, quelques autres caractéristiques de celui qui possède ou qui fabrique la pierre philosophale, dont une notamment, c'est l'ubiquité, d'être présent à deux endroits en même temps, par exemple. D'autres rajouteront, qui ont plutôt des tendances kabbalistes, de commander aux éléments. Et puis plus récemment, enfin plus récemment, mais sans doute aussi autrefois, de participer à l'esprit du monde. Mais prenons les deux premières, qui sont les plus connues. La fabrication de l'or, c'est-à-dire la poudre de projection qui transforme les métaux vils en or, et le remède universel. Il est évident, pour quiconque se penche sur cette question, que ça répond à des besoins fondamentaux. Et puis on peut rajouter, si vous voulez, la pierre de connaissance, la pierre philosophale, la sagesse. Qui ne rêve pas de pouvoir transformer tout ce qu'il a dans son quotidien en merveille et en trésor, et donc les métaux en or, de façon à lui permettre une certaine prospérité. Qui ne rêve pas, en voyant ses proches et lui-même touchés par la maladie, touchés par la mort, qui ne rêve pas du remède universel? Mais chez les alchimistes, ça n'est pas qu'un rêve. Ça n'est pas qu'un rêve. Les alchimistes sont des personnes qui observent la nature, qui ont hérité de siècle en siècle de ce que la pensée humaine a laissé comme une information dans l'esprit du monde et qui se sont posé ces mêmes questions. Alors, soit ils se sont posé des questions en regardant les astres et en disant: qu'est-ce que c'est que ça? Ça tourne au-dessus de moi, il y a des choses qui se passent, qui m'échappent, mais qui ont l'air éternelles. Mais surtout, pour revenir à nos deux aspects, l'élixir de longue vie et puis la poudre de projection, il y a une contribution à l'alchimie et à la pensée de l'alchimie qui est la transformation des métaux. Cette pensée vient pas seulement des métallurgistes de la préhistoire et du Moyen-Âge, mais ça vient de l'observation du monde. C'est-à-dire qu'on regardait comment les métaux naissent. Donc ils allaient dans les mines. Dans les mines, ils voyaient des filons, ils voyaient du minerai, ils voyaient que certains minerais étaient associés, que très souvent on avait de l'antimoine et du mercure, on avait du mercure et de l'or, on avait des filons qui étaient ensemble. Et lorsqu'on les extrayait de la mine pour les passer au feu, eh bien on arrivait à en tirer des métaux. Donc cette idée que les métaux mûrissent était quelque chose qui rentrait dans la vision du monde des alchimistes. La vision du monde des alchimistes, c'est que tout l'univers est un être vivant. Et donc les métaux sont vivants, les pierres sont vivantes, les arbres, les plantes, les animaux, les humains, à des rythmes différents et à des niveaux de conscience différents. Et donc les métaux sont vivants. Transformer un métal vil en or était pour l'alchimiste comprendre et pénétrer les mystères de la nature et créer les conditions pour que, sous ses yeux, dans son laboratoire ou en sa présence, la nature puisse amener à terme ce qui se faisait dans la nature, dans la représentation du monde. C'est-à-dire que l'alchimiste ne fabriquait pas de l'or, mais il mettait et il créait les conditions pour que la nature puisse mener à son terme ce qu'elle avait commencé et qu'elle finira par faire. L'idée étant que l'or était l'aspect ultime de la maturation des métaux. Et pareil pour l'autre aspect de l'alchimie, qui est l'élixir de longue vie. Les alchimistes regardaient le monde vivant et ils voyaient que le monde vivant était vivant, joyeux et bien portant. Et pourtant que la maladie l'affectait. Donc les alchimistes se disaient: il y a dans la nature un potentiel de santé qui est donné au départ. Et ce potentiel de santé, ben, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Il y a un mystère là dans la distribution de cette grâce. Mais de toute façon, elle existe dans la nature. Et donc les alchimistes réfléchissaient et essayaient de pénétrer les mystères de la nature en se disant:
Mais où est cet élément qui, au départ, donne la santé et qui pourrait la redonner si je pouvais l'extraire de là où elle est? Et là où elle est, c'est forcément le monde et la nature, et donc des plantes, et principalement. Donc l'élixir de longue vie, dans la représentation des alchimistes, c'est quelque chose de totalement cohérent. Puisque les alchimistes, qu'est-ce qu'ils disaient finalement? Il existe la santé fait partie du monde, je fais partie du monde, je suis malade, mais ok. Quelque chose qui est la maladie m'a atteint, ou quelque chose qui est la santé s'est écarté de moi. Donc ce remède universel n'était pas quelque chose de fou dans la vision et dans la représentation du monde des alchimistes. Et donc ont été développées les différentes théories. Celles que j'aime bien sont celles de Paracelse. Mais allons plus loin. Donc qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, ben, de façon ultime, c'est fabriquer l'élixir de longue vie et la poudre de projection. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, quand on a commencé à discuter avec eux, surtout après la Renaissance, vers le XVIIe, XVIIIe, au XVe, XVIe siècle, on n'avait pas trop peur d'imaginer que tout était possible, puisque la représentation du monde, c'était la représentation du vivant. Et puis, bon, bah, tout est possible. Un miracle, ce n'était pas quelque chose d'impossible. Un miracle, c'était quelque chose de possible, mais c'était miraculeux parce que ça se passait au moment où on était là. C'est-à-dire qu'avoir un être vivant, en soi, c'est un miracle. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, puisqu'on a partout autour de nous des êtres vivants et en bonne santé. Et pareil, on a des personnes qui ont de l'or, des vignes qui ont de l'or. Donc le miracle, c'est quelque chose qui ne faisait pas peur dans cette façon de penser. C'est lorsque la façon de penser beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus matérialiste s'est imposée, lorsqu'on a commencé à mettre des limites dans la vision du monde, que des limites sont apparues dans l'imagination et qu'on a commencé à dire aux alchimistes, et puis il y avait quand même un paquet de souffleurs et un paquet de contrefaisants, en disant, mais dites donc, j'aimerais bien la voir, ta pierre philosophale, là, qui transforme les métaux en or. Ou alors, elle n'a pas trop bien fonctionné, ton remède qui a guéri ou qui n'a pas guéri, justement, ma voisine. Donc, il s'est passé dans la pensée des alchimistes, déjà une distinction. Les souffleurs et les faussaires ont rapidement dû soit inventer des bobards, soit hermétiser leur langage de façon à ce qu'ils soient non pas hermétiques, mais qu'ils soient incompréhensibles. Et les autres ont dû faire leurs preuves. Alors, il y a deux façons de faire ces preuves en alchimie. Eh bien, soit on travaille et on atteint la poudre de projection, mais on montre. Il y a des traités qui en parlent dans le passé, très peu, mais il y en a. Soit on fait l'élixir de longue vie, c'est-à-dire qu'il maintient la santé le plus longtemps possible, et pas plus que la nature leur a accordé, mais d'être en santé jusqu'au bout. Et puis il y a une autre façon, c'est d'approfondir la théorie, la vision du monde qu'avaient les alchimistes. Et donc c'est développer aussi toute une pensée, la pensée hermétique, et une pensée de représentation du monde. Et cette représentation du monde qu'avaient les alchimistes est quelque chose qui a, je pense, beaucoup plus fécondé la philosophie qu'on ne le pense au fil des siècles, parce qu'elle était toujours là, et pas forcément raisonnable, et pas forcément non plus fantaisiste. Cette représentation du monde, elle a évolué, mais disons qu'en gros, l'univers entier est une chose, et cet univers se projette dans toutes les choses qu'elle contient. Donc chaque chose est le reflet et le résumé de l'univers. Et un des reflets les plus parfaits de cet univers est l'être humain. L'être humain, pour prendre Paracelse par exemple, n'a aucune réalité, n'a aucune subsistance, n'a aucune réalité si on le considère autrement que le reflet de l'univers dans un espace particulier qu'il appelle le petit monde. L'univers entier se projette dans le petit monde. Et on ne peut pas connaître, on ne peut pas imaginer un être humain en dehors de l'univers qu'il représente. Et ensuite, la philosophie de Paracelse et la représentation du monde de Paracelse va plus loin. Ensuite, il considère que le ciel se projette dans l'être humain, et donc que l'être humain a un ciel intérieur, que la terre se projette dans l'être humain, que l'être humain a une terre, que les quatre éléments se projettent dans l'être humain, qui a un aspect qui correspond au feu intérieur, un aspect qui correspond à l'air intérieur, l'air étant les esprits à l'époque, un aspect qui correspond à l'eau, etc. Et de même pour les trois principes très chers à l'alchimie, c'est-à-dire le soufre, le mercure et le sel,
qui sont des principes qui aujourd'hui, lorsqu'on discute un petit peu avec les alchimistes, sont souvent confondus et pris pour des éléments. Alors que dans la pensée de l'alchimie, les quatre éléments, la terre, eau, air, feu, ne sont pas vraiment des éléments comme on l'entend aujourd'hui. Ce sont des formes d'expression de ces éléments quand elles rencontrent la matière. C'est-à-dire un élément se manifeste dans la matière en manifestant plutôt son aspect feu, son aspect air, son aspect... Et pour les principes, c'est encore plus loin. Les principes ne sont pas des éléments non plus. C'est des principes qui sont des principes de liaison, de connexion, de condensation ou de combustion, qui sont dans les quatre éléments. Et les quatre éléments ont des modes de manifestation dans la matière. Donc la représentation du monde qu'avaient les alchimistes, ça n'est pas une rêverie. Et les grands traités d'alchimie, lorsqu'on rentre dedans, d'abord on n'y comprend rien. Mais à force de s'y imprégner, de s'en imprégner, de lire, d'essayer de comprendre les traités sur la base unique du traité, eh bien, créer petit à petit une compréhension. Je pense personnellement, mais je ne vais pas prouver, c'est peut-être faux, mais je pense qu'à lire des traités hermétiques, parce que derrière la pensée alchimique, il y a une représentation hermétique du monde, lire des traités hermétiques change la connexion des synapses. Je pense que les zones du cerveau connectent autrement entre elles que si on a une pensée purement rationaliste, technique ou autre. Et d'autre part, de rentrer dans ces traités nous relie à quelque chose, je pense, qui animait l'imagination des alchimistes. Et là, on rentre dans quelque chose, je ne suis pas psychologue, mais on rentre dans quelque chose qui, petit à petit, touche les archétypes ou des images qui sont très profonds dans la conscience et peut-être même dans la partie matérielle de la conscience. C'est-à-dire que le cerveau, OK, il y a des synapses, ces synapses créent des réseaux dans la tête. Ces réseaux dans la tête sont peut-être même des antennes, et selon la façon dont les synapses sont connectées entre eux, eh bien, on capte d'autres informations qui sont dans l'univers. Ce qui expliquerait que certaines personnes sont très pointues dans un domaine agricole, d'autres dans la physique, d'autres chez les médecins, d'autres chez les artistes, d'autres dans la relation entre les humains. Ce ne serait pas étonnant. Je n'en sais rien, mais ce ne serait pas étonnant. Puisque fondamentalement, lorsqu'on regarde les anciens philosophes, il y avait toujours cette notion de géométrie, d'harmonie, de mathématiques. Et c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que la physique quantique, aujourd'hui, est un nouveau langage pour l'alchimie ? Bien, la physique quantique a montré qu'on pouvait transformer les noyaux des cellules, que les nombres atomiques du mercure, de l'or sont très proches, et qu'on pourrait théoriquement transformer le mercure en or, avec des techniques de bombardement de neutrons qui coûtent énormément d'énergie, qui n'ont rien à voir avec ce que décrivent les alchimistes, mais théoriquement et même pratiquement, c'est possible. Mais ça coûterait beaucoup d'argent, ce serait inutile, autant aller chercher l'or soi-même. Et surtout, ça n'a rien à voir avec les techniques que décrivent les alchimistes. Mais ça pourrait être un langage de l'alchimie, puisque les éléments se transforment. Surtout si on ose intégrer dans cette notion la notion de transformation à faible énergie. C'est-à-dire qu'on pourrait constater des transformations du noyau électrique, du noyau atomique, mais sans passer par les barrières d'excitation, d'énergie d'activation. Il semblerait que le vivant le fasse. Il semblerait que certaines études ont été faites. Il semblerait que dans le vivant, eh bien, parfois, lorsque certains travailleurs travaillent dans des zones très très chaudes, que le corps n'arrive plus à évacuer la chaleur parce qu'il fait plus de 40 degrés, quand on en a marre de transpirer, qu'on n'a pas envie de s'épuiser en eau, il semblerait que le vivant ait été capable de transformer certains atomes, alors je ne sais plus lesquels, si c'est le sel en potassium ou le potassium en autre chose, et que cette transformation atomique à faible énergie aurait absorbé l'énergie que le corps n'arrive pas à extraire. Puis d'autres disent, pareil pour les poules. Les poules font des œufs en calcaire alors qu'elles picorent de la silice. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, intellectuellement, on ne peut pas écarter la transmutation à faible énergie. Donc, la physique quantique pourrait apporter ça. Donc, on pourrait dire, oui, pour cet aspect-là.
Est-ce que la physique quantique apporte un langage à l'alchimie lorsqu'elle parle du vivant? Assurément non. La physique quantique ni l'astrophysique ne s'occupent pas du vivant. Ils s'occupent de regarder la matière, d'essayer de comprendre la matière, de reproduire des phénomènes, certes, qui dépassent l'entendement, mais ils ne s'occupent pas du vivant, ni du vivant de l'univers, puisque après le mur de Planck, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le trou noir. Est-ce qu'il y avait un avant trou noir? Dans la théorie officielle, ça n'a pas de sens, puisque le temps est apparu au moment du trou noir, au moment du Big Bang. Si on sort de la théorie, ça a du sens, puisque la théorie du Big Bang ne décrit que jusqu'à un certain moment. Au-delà, il y a quelque chose, mais qui n'est plus décrit par la théorie du Big Bang. Et ça ne structure nullement, la physique quantique ne parle nullement du vivant. Comment se fait-il que des organismes monocellulaires ont fini par donner des individus qui se rencontrent un soir, et en plus pour réfléchir? Ça n'est pas le hasard. Aujourd'hui, on le sait, statistiquement, ça n'est pas le hasard. Ça pourrait être le hasard si le temps était infini et si l'espace était infini. Mais dans la représentation actuelle du monde, le temps n'est pas infini, la durée de l'espace n'est pas infinie, et on pense qu'il ne sera pas infini non plus dans l'autre sens. Donc si on applique les calculs statistiques, la statistique, la probabilité qu'on existe telle qu'on est, elle est nulle. On peut l'oublier. Donc ce n'est pas le hasard. Et comme j'ai lu dernièrement dans un bouquin, j'aime bien l'anecdote, c'est comme si on voulait faire croire qu'on a réussi à construire des fusées en faisant des copies de plans. Faisant des copies de plans, par hasard, parce qu'il y avait un stagiaire qui avait mal photocopié le truc, eh bien, on se rend compte que la brouette qu'on a construite avant, elle était un peu plus sophistiquée. Et puis, de brouette en brouette, on est arrivé à construire des satellites qui partent dans l'espace. Donc, d'un point de vue mécanique comme d'un point de vue biologique, c'est un non-sens. Donc, la physique quantique ne répond pas au mystère de la structuration du vivant. Par contre, il y a un autre domaine où la physique quantique répond, mais c'est le domaine où les avancées sont un peu hésitantes. C'est ce champ dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce n'était pas par hasard. C'est-à-dire ce fameux champ indifférencié, David Bohm l'appelait un champ d'information. Je pense qu'avant Pauli, quelqu'un avait fait des études là-dessus, en l'appelant également un champ informationnel. Et il y aurait dans ce champ toute l'information de l'univers tout entier. Un peu, pour donner une image, parce que moi ça dépasse, ça me donne le vertige de penser comme ça, mais pour donner une image qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est l'image est suffisante. Si vous prenez votre téléphone portable, il est là dans un endroit particulier, avec un numéro particulier qui est le mien. Et puis je pense que vous en avez également dans vos poches que vous avez coupées. Eh bien, lorsque quelqu'un m'appelle, de n'importe où dans la planète, le numéro qui compose est transformé en ondes électromagnétiques, et ces ondes électromagnétiques, elles sont soit partout, soit nulle part, mais à un moment donné, ça fait sonner que celui-ci, quel que soit l'endroit d'où part le signal. Cette image, sans être tout à fait exacte, pourrait donner cette notion de l'information qui est partout, et qui pourtant, à un moment donné, par un croisement, un ensemble de circonstances, apparaît sous cette forme et ça sonne. Eh bien, dans la philosophie qui est derrière la représentation qu'avaient les alchimistes de la matière, il y a cet aspect-là. La vision hermétique du monde, c'est qu'il y a l'univers et cet univers se projette. Et que c'est contenu en chacun de nous. Le summum de cette évolution, c'est l'être humain. Et si on prend la représentation qu'avait Paracelse, l'être humain, et puis qui était déjà dans les traités hermétiques, l'être humain, il a quelque chose d'unique. Il a quelque chose d'unique. Ça, c'est les traités hermétiques, hein, le premier ou le deuxième livre, le livre de Pimandre ou le discours parfait d'Asclépios, que vous trouvez dans les discours hermétiques. L'homme est double. Il est mortel selon la nature et immortel selon l'esprit. Et la différence entre les hommes et les dieux, je crois que c'est dans le même traité ou un peu plus loin, je l'ai dit la dernière fois, la différence entre un homme et un dieu, c'est que l'homme est un dieu immortel, non, l'homme est un dieu mortel, et Dieu un homme immortel.
Et là, on va dans des domaines qui sont difficiles. Et on retrouve la notion de la pierre philosophale. Qu'est-ce que la pierre philosophale quand on lit certains traités? Ben, certains traités disent que la pierre philosophale, bon, on la fabrique, déjà il faut la trouver, il faut trouver la matière première, ensuite on aboutit à la matière, et ensuite cette matière, on la nourrit, et elle grandit, et puis elle mûrit. Et à un moment donné, selon certains traités, on est à la limite de la manifestation de cette matière particulière. Si on pousse un petit peu plus loin, soit sa croissance, soit son utilisation, sa transformation, elle disparaît. Elle disparaît du monde manifesté pour rentrer à nouveau dans ce que j'appelle le monde de l'information. Donc les alchimistes, certes, on peut les prendre pour des rêveurs. Si on est très matérialiste, on dira, bon, ben, ils ont essayé des trucs et on en a hérité le savon, l'éther, les différents acides, les teintures, le bronze. Personnellement, si on se met dans une pensée hermétique du monde, eh bien, les alchimistes ont quelque chose à nous apprendre, si on veut voir ça. Parce que la vision du monde des alchimistes est quelque chose de très riche. C'est le mystère qui est derrière l'univers, et c'est le mystère qui est derrière l'homme, c'est le mystère qui est derrière la psyché, c'est le mystère qui est derrière la manifestation de de la nature, c'est le mystère qui est derrière la structuration des organismes qui donnent des organismes vivants, structurés. Que l'homme est participant de tout ça. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais ça se passe en lui. Donc l'alchimiste développe un autre regard sur le monde, un autre regard sur lui-même. Et lorsque les alchimistes parlent de leur transformation, le lion vert qui va manger le lion rouge, les crachats de lune qui descendent, enfin, toute cette poésie. Eh bien, je me suis souvent demandé si les alchimistes ne le voyaient pas effectivement. Et que ce qu'ils voyaient étaient des réalités qui étaient à la fois des images qui naissaient dans leur imaginaire, dans un imaginaire créatif, pas dans un imaginaire fantaisiste, et étaient à la fois des aspects de la matière. C'est-à-dire la matière n'était pas forcément juste, comme on l'imagine aujourd'hui, des particules ou des ondes. La matière peut très bien avoir quelque chose de plus qui relève de l'information de l'univers. Ou alors, si on rentre sur le terrain que j'avais abordé tout à l'heure, à la racine de la matière, il peut très bien y avoir quelque chose qui est commun à la racine des profondeurs de l'âme. Donc souvent, je me suis dit, les alchimistes, lorsqu'ils regardent leur matière, je me demande si ce n'est pas ce regard qui finit par la transformer. Je ne sais pas. Mais la physique quantique, à nouveau, vient au secours. Au moins le modèle, qui n'est pas la réalité. C'est un modèle de la réalité. Et c'est le moment particulier où on va derrière le mur de Planck. Planck, c'est une constante physique qui dit que ben, plus petit que ça n'existe pas dans le modèle. Plus petit que ça n'existe pas. Si on reste dans le modèle de la physique quantique, vous coupez le temps en petits morceaux, puis à un moment donné, vous avez une durée de temps qui est la durée de Planck, et en dessous, il n'y a pas. Mais on peut imaginer, donc il n'y a pas, donc en dessous de la distance, en dessous de la durée de Planck, il y a quoi? Pour un alchimiste, il n'y a pas rien, puisque de toute évidence, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas le temps. Et pareil pour la distance. Si on va dans une distance très très courte, on coupe, on coupe, on coupe, et puis on arrive à une distance, en dessous de la distance de Planck, il n'y a plus d'espace. Est-ce qu'il n'y a rien derrière? Pour un alchimiste, non, il n'y a pas rien. Mais il y a quelque chose qui ne relève pas du temps ni de l'espace. Et bon, là, on est à la frontière des mondes et on est dans un domaine qui est entre le physique et le métaphysique. Sauf que c'est notre réalité. Sauf que c'est notre réalité. On vit dans l'espace et le temps, mais l'espace et le temps ne sont pas continus. Donc nous, on imagine qu'on existe d'un instant à un autre, mais dans la physique quantique, non, il y a des coupures. Il y a des bouts, et en dessous du temps de Planck, et en dessous de l'espace de Planck, ben non, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'on rentre dans ce champ informationnel sous-jacent ou pas? Je n'en sais rien. Mais dans une représentation hermétique du monde, ça n'est pas quelque chose d'absurde. Ça n'est pas quelque chose d'absurde
que ce qui est à la racine de l'univers et de ce qui est à la racine de l'être humain et de ce qui est à la racine du vivant ne se rencontre pas sous une forme indifférenciée, mais extrêmement riche, qui est la mémoire, la conscience de l'univers. Ce n'est pas exclu. Je n'en sais rien. Mais c'est une conversation qu'on peut avoir lorsqu'on l'envisage. Est-ce que la physique quantique est un nouveau langage pour l'alchimie? En partie, mais non lorsqu'il s'agit de l'essentiel des questions que se pose l'alchimie. Oui, peut-être pour l'origine des mondes, l'origine du ciel, les transmutations de la matière, peut-être. Mais assurément non pour le phénomène du vivant. Pourquoi le vivant existe? Comment se fait-il que de l'information puisse être préservée, puisse s'enrichir et surtout puisse structurer? Pour les alchimistes, ça existe. Les alchimistes ont cette notion de la nature naturante et de la nature naturée, et puis d'autres aussi, ce n'est pas les seuls, mais la nature naturante. C'est-à-dire la nature contient en elle-même ce dont elle a besoin pour se manifester. Et pour se manifester, elle se manifeste dans une nature qui est naturée. Et les deux font une chose. Mais la nature naturante échappera toujours, non seulement à l'entendement commun et à l'entendement normal, mais échappera à sa manifestation. Pourtant, ses effets sont manifestes. Et on retrouve derrière cette idée toute la notion de la théorie des signatures de Paracelse ou d'autres. C'est-à-dire que le monde réel est un monde qui nous apparaît, mais derrière ce monde réel, il y a quelque chose qui le fait émerger, qui n'apparaît pas, ou du moins qui n'apparaît pas au premier regard. Et comment développer un regard, un second regard? Eh bien, c'est ce à quoi ça s'habituait également certains alchimistes, c'est-à-dire c'est de regarder au-delà des formes. Si on regarde au-delà des formes, eh bien, on regarde dans les essences. On ne pourra pas forcément les voir, mais on voit ce qu'elles expriment. Et donc cette expression, le monde manifesté, est l'expression d'une forme de structuration de plus en plus évoluée, mais qu'on ne verra jamais. Le vivant cache la réalité de ce qu'est la vie. Et ce qui nous apparaît, c'est une image du vivant. Et je ne vais pas rentrer dans la mort. Mais tout ce qu'on voit est mortel. Le vivant est derrière ce qui nous semble être mortel. Mais là, je pense qu'on s'écarte de la conférence. Et donc, je termine par rapport au titre de la conférence, pour laisser place aux questions. Je n'ai nullement voulu être exhaustif en physique quantique, encore moins en alchimie et en représentation, mais l'idée étant qu'on puisse échanger. Le langage de la physique quantique n'est pas un nouveau langage de l'alchimie, comme ne l'était pas le matérialisme, comme ne l'était pas le rationalisme, comme ne l'était pas l'esprit de la Renaissance. Mais pourtant, à chaque fois qu'on a des changements de paradigme, curieusement, la notion d'alchimie revient. Et pour les personnes qui sont intéressées par l'alchimie, je n'ai pas de cours à vendre, j'ai un métier, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais l'alchimie a quelque chose de particulier, c'est que lorsqu'on ose réfléchir le monde de cette façon, c'est un monde beaucoup plus riche. C'est un monde beaucoup plus riche, beaucoup moins fantaisiste, qui n'est pas meilleur que le monde rationnel, mais qui est différent. On n'obtient pas la même chose en pensant comme un alchimiste que lorsqu'on pense comme un technicien, ou comme un bouddhiste, ou comme un croyant. Mais c'est quelque chose de particulier parce que ça oblige à penser par soi-même. Ça oblige à s'observer soi-même. Et si on accepte ce petit jeu, que tout ce qui est à l'extérieur se reflète à l'intérieur, eh bien c'est un très bel enseignant et un très bel enseignement. Et on ne doit rien à personne. Et il y a une forme de liberté qui se développe. Avec cette liberté, on se rend compte qu'elle est nécessaire pour tendre vers une forme de recherche de la vérité. Mais bon, l'homme est double. Il est à la fois à la quête de la liberté, comme disaient les anciens philosophes, mais souvent, il préfère la sécurité. Ou son corollaire. L'homme cherche la vérité. Mais quand on lui propose la prospérité, il ne dit pas non plus. Voilà, sans être complet ni exhaustif, Rémi, il y a une possibilité pour des questions.